Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui en phonologie, nous allons continuer à travailler avec le son V. Tu es prêt? Pour cette activité que nous allons faire, tu as besoin de ton ardoise et d'un feutre pour ardoise. Tu peux mettre la vidéo sur pause, le temps d'aller chercher ton feutre et ton ardoise. Alors nous allons localiser le son V dans des mots. Commençons. Le premier mot, si tu veux, nous pouvons le faire ensemble. Enveloppe. D'abord, je compte les syllabes. Enveloppe. Enveloppe. Il y a trois syllabes, tu es d'accord? Je vais le faire au tableau. Enveloppe, trois syllabes. 1, 2, 3. Oui, on est d'accord? Ok, maintenant je cherche à savoir dans quelle syllabe j'entends V. Avec ton doigt, tu vas pointer les arcs. En, est-ce que j'entends V? Non. V, est-ce que j'entends V? Oui, n'est-ce pas? Je mets donc mon point ici. Lop. Est-ce que j'entends V? Non. Donc la réponse est ici, dans la deuxième syllabe. En, V, lop. On est d'accord? Maintenant, tu vas faire ça tout seul. N'oublie pas de mettre ton doigt dans les arcs en disant le mot. D'accord? Cela va t'aider. Deuxième mot. Vache. D'abord, tu comptes le nombre de syllabes. Tu fais un arc si c'est une syllabe, deux arcs si c'est deux syllabes, trois arcs si c'est trois syllabes. Dans vache, il y a combien de syllabes? Une syllabe, n'est-ce pas? Est-ce que j'entends le son V dans vache? Oui, n'est-ce pas? Donc regarde bien. Une syllabe pour vache. Et je mets le point, puisque j'entends le son V. Maintenant, je ne t'aide plus. Tu es prêt? Élève. Élève. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps. Voiture. Voiture. Volant. Volant. Vert. Vert. Cheval. Cheval. Valise. Valise. Lavabo. Lavabo. Vélo. Vélo. Ça y est? Très bien, tu pourras regarder la réponse, mais plus tard. Ou alors, tu prends une photo et tu peux m'envoyer aussi ce que tu auras trouvé.